Il est temps de conclure ce colloque avec François Morival, directeur général de l'application Youmay. Beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses, effectivement. Beaucoup de choses ont été dites tout l'après-midi. François, c'est une question compliquée que je vais vous poser, mais que retenez-vous de ces tables rondes, de ce grand témoin, de tout ce qu'on a entendu? Bah déjà, on est très heureux d'avoir fait ce colloque aujourd'hui avec vous tous. Vous êtes plus de 60 personnes aujourd'hui présentes, donc on est ravis que vous soyez tous venus assister à ces échanges. Effectivement, ces échanges qui ont été riches, qui ont été très intéressants, et j'en profite pour remercier l'ensemble des intervenants qui ont participé à ces tables rondes et à ce grand témoin. C'est une valeur inestimable pour nous de pouvoir échanger avec toutes ces personnes, de communiquer et de faire connaître un petit peu notre travail et voir comment on peut travailler tous ensemble. Et je suis persuadé aujourd'hui que vous allez tous repartir avec des idées et des envies d'agir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées aujourd'hui qui sont intéressantes. Alors je vais essayer de les résumer, c'est pas forcément facile. Pas facile. Du coup, sur le harcèlement, en fait, ce qu'on est sur les outrages sexistes, si on veut être conforme à la loi. Effectivement, ce qu'on a retenu, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, notamment la loi contre le harcèlement qui va évoluer en 2023, donc qui est toujours plus permettre d'agir au mieux et de sanctionner mieux encore les auteurs de ces actes. Une prise de conscience collective, je pense depuis MeToo et pas mal de mouvements aujourd'hui, qui fait que la parole s'est libérée. Une amélioration aussi autour de l'écoute des victimes, comme le citait Madame la Ministre. Donc tout ça, c'est des choses qui vont dans le bon sens, et on se rend compte quand même qu'il reste aussi beaucoup encore à faire. On est un peu au début de beaucoup d'actions qui sont lancées. Il faut poursuivre, élargir et aller plus loin dans tout ce qui se passe. Comment on fait ça? C'est en évaluant mieux finalement le phénomène. Donc on parlait aussi des chiffres, voilà, 2%, entre 2 et 5% des victimes qui portent plainte. C'est peu. C'est très peu. Et donc nous, à travers l'application, nos signalements, on va essayer de donner de la visibilité à ce phénomène et de pouvoir ensuite le mesurer, son évolution d'année en année. De toujours mieux pénaliser, mais là aussi on en a parlé, et d'aller déposer plainte. Et dans l'application, bah, pareil, on va essayer de faire en sorte d'inciter l'ensemble des utilisateurs, quand ils sont victimes de harcèlement ou d'insécurité, d'aller porter plainte. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui pour faciliter cette démarche. Les commissariats, les brigades de gendarmerie sont aussi formés pour mieux accueillir les victimes. Donc on sent aussi que c'est une démarche qui prend corps. D'agir au plus près des jeunes. On se rend compte que on a beaucoup d'échanges qui ont eu lieu autour de ça, sur comment on agit autour des plus jeunes pour les former, les sensibiliser. Parce que je suis intimement persuadé, et toute l'équipe chez Youmay aussi, c'est que ça joue aussi à ce niveau-là. Et on commence à intervenir, nous aussi, avec nos villes partenaires, dans les collèges, les lycées, sur différentes formations au consentement, au sexisme. Et on a des retours qui sont parfois surprenants et intéressants des élèves avec lesquels on travaille. Donc on va continuer de travailler dans cette volonté-là. Et puis j'ai bien aimé aussi le fait de dire que les solutions qu'on va pour porter sur ce phénomène ne relèvent pas que des femmes, mais aussi beaucoup des hommes. Et c'est une conviction, moi, personnellement, exemple, de dire, voilà, si les hommes ne se saisissent pas du sujet eux-mêmes, en agissant auprès de nos homologues masculins pour leur dire que leur comportement n'est pas normal et que finir un peu avec cette impunité que certains ressentent, je pense que c'est hyper important et c'est une des solutions. Ce colloque aussi, c'est, François, l'occasion de faire un bilan un peu du travail mené par Youmay depuis 2019. Quel bilan en faites-vous? Bon, on est assez fiers du travail accompli, effectivement, avec l'impulsion de Pauline qui a lancé l'idée, avec toute l'équipe qui s'est mobilisée autour de nous. On a fait pas mal de choses. Je pense qu'il reste encore beaucoup à faire. Je pense que je vais résumer ça en trois mots. D'abord, on se sent utile. On a eu beaucoup de témoignages qui nous remontent de nos utilisateurs, de situations qu'ils ont vécues et où l'application a pu leur venir en aide, parce qu'ils ont pu se réfugier dans un commerce et trouver de l'aide autour d'eux. Et ça, c'est une motivation au quotidien. Voilà, quand on reçoit ces témoignages, on en publie un certain nombre sur nos réseaux sociaux. Voilà, c'est hyper riche et ça motive tout le monde. On est heureux d'avoir pu embarquer tous les partenaires qui ont été présentés aujourd'hui. L'ensemble de nos safe places, ces commerçants qui nous rejoignent, et on les remercie tous les jours. Ça nous permet de former des centaines de personnes à l'accueil de victimes, d'agir sur le terrain vraiment sur des actions qui sont très concrètes et d'avoir de l'impact. C'est aussi quelque chose qu'on est très sensible à faire, des choses qui ne sont pas juste de la communication ou juste de l'image, mais vraiment d'avoir un impact au quotidien sur la vie de nos utilisateurs et de la société. Et enfin, le dernier mot, c'est le mot responsable. On se sent responsable finalement de pouvoir continuer d'agir. On a l'ensemble des collectivités, de nos partenaires qui nous renouvellent tous les ans leur confiance.
Et cette confiance, en fait, elle nous oblige à toujours trouver des moyens d'action concrets qui fonctionnent, d'essayer de s'améliorer. On sait que tout n'est pas encore au maximum de ce qu'on peut faire. Il y a encore des points où on peut s'améliorer. Donc, c'est en échangeant avec tout le monde qu'on arrivera à progresser et faire en sorte que nos actions aient de plus en plus d'impact. Et parmi les exemples, je le cite parce qu'on n'a pas cité beaucoup d'exemples, mais je crois que c'est Pauline, en préparant ce colloque, qui avait cité, je trouve ça très marquant, le témoignage d'une jeune étudiante qui avait repris ses activités extrascolaires grâce à Youmay. Donc, quand vous parliez d'utilité, là, je crois que c'est un bon exemple. Il me semble que c'est Pauline qui m'avait cité ça. Oui. Et ça m'avait marqué. Exactement. C'était une jeune fille qui, en fait, n'osait plus sortir le soir. Parce que souvent, les activités extrascolaires se passent le soir. Et donc, elle n'osait pas, en fait, marcher dans la rue pour aller au gymnase, tout simplement. Et en fait, le fait de pouvoir se dire, mon trajet va être suivi par une amie qui va s'assurer que j'arrive à bonne destination. S'il m'arrive quelque chose, je peux me réfugier dans un commerce qui est ouvert sur mon trajet. Bah, ça lui a redonné le courage, finalement, et l'envie de sortir. Et elle a pu retrouver ses activités. Donc, c'est génial. Belle illustration. Ouais. On se projette un peu sur les prochaines étapes, les perspectives. Bien sûr. Plusieurs actualités qui vont arriver en 2023 pour Youmay. Donc, une nouvelle version de l'application. Thibault en a un petit peu parlé, on va essayer de prendre mieux en compte les spécificités du monde du transport dans l'application. On va essayer de faciliter aussi les signalements et leur prise en compte par nos partenaires, parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui est utile. On a parlé beaucoup de formation aussi pendant ce colloque, et donc l'idée c'est aussi que dans l'application, une fois qu'on a fait un signalement ou quand on veut se renseigner, on trouve tous les conseils, les formations, tous les outils qui nous permettent de réagir comme victime ou comme témoin. Et ça, on va le faire bien sûr avec l'ensemble de nos partenaires, associations, entreprises, pour pouvoir concevoir ces petits modules qui seront intégrés dans l'application et qui vont nous dire, vous êtes témoin d'agression ou du harcèlement, voilà ce que vous pouvez faire. Donc il y aura stand-up, il y aura plein d'autres choses. Je pense que ce sera aussi assez intéressant. Et puis ensuite, on va optimiser l'ensemble de nos fonctionnalités par rapport au retour qu'on a eu avec nos utilisateurs. Une autre actualité, c'est des nouveaux partenaires qui vont nous rejoindre. On sait qu'il y a plusieurs villes qui vont annoncer rejoindre Youmay à l'occasion du 8 mars, donc le mois prochain, ainsi qu'une nouvelle entreprise, une grande entreprise du transport qui va aussi confirmer ça à l'occasion du 8 mars. Mm-hmm. On a également un volet international qui se développe de plus en plus. On a nos premières villes en Angleterre qui devraient nous rejoindre aussi dans les prochaines semaines. On est ravis de pouvoir aussi commencer à essaimer dans d'autres pays en Europe. Et on se rend compte que cette thématique, elle est pas propre à la France, malheureusement. On la retrouve partout. Avec Michel et que les Ecker, solutions notamment. Qu'on propose, en fait, peuvent correspondre aussi à des démarches et des dispositifs qui existent aussi à l'étranger. Et puis enfin, le dernier grand chantier qui est important pour nous aussi, c'est un chantier de communication. On a eu la chance de pouvoir boucler notre deuxième levée de fonds très récemment. Il y a quelques investisseurs dans la salle, je les remercie. Et donc, grâce à ces financements, on va pouvoir communiquer très largement au grand public sur Youmay, sur ce qu'on fait, et ainsi amplifier le mouvement. Merci beaucoup François. Vous vouliez dire un dernier mot ? Oui, quelques petits remerciements, parce qu'on n'a pas fait tout ça tout seul. Je voulais remercier le cabinet AA qui nous a accompagnés sur l'organisation de ce colloque, dans toute la logistique et dans tous les conseils pour organiser cela au mieux. Je voulais remercier aussi toute l'équipe Youmay qui est présente aujourd'hui, une équipe qui est jeune mais qui est hyper investie à nos côtés. Et voilà, ça nous motive au quotidien de pouvoir travailler avec toute l'équipe et je les remercie pour tout ce qu'ils font. Puis je vous remercie tous d'avoir été présents aujourd'hui. Et puis je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour notre prochain colloque. Voilà, merci beaucoup. Merci François. Et merci aussi Aurélie pour l'animation de ces échanges. Et merci à tous pour votre présence. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée.